France Bleu Lorraine. Écoutez, écoutez, on est bien ensemble. Voilà, ok, super. Ça, moi aussi, je vous filme. Le livre sur la place, mais c'est formidable parce que à l'heure du numérique, à l'heure des tablettes tactiles, des écrans vidéo, des jeux vidéo, et on se retrouve dans voilà, on se retrouve avec des livres et il y a zéro technologie, mais en revanche il y a beaucoup d'idées et moi je crois aux idées, je crois plus aux idées qu'à la technologie. Et même pour le cinéma, je trouve que les plus beaux films, finalement, d'anticipation, parce que moi j'aime bien les films d'anticipation, les plus beaux sont ceux qui sont faits avec rien. C'est pas la débauche d'effets comme Star Wars, où il y a une débauche d'effets. Si vous regardez Un jour sans fin, il n'y a rien. C'est juste une idée qui est magnifique. Je pense que, quand on livre sur la place, voilà, c'est un livre, une idée, et il y a des milliers et des milliers de livres. Les auteurs sont là, on peut rencontrer les auteurs, il y a des conférences, des interviews avec France Bleu et puis aussi des émissions qui se délocalisent carrément, qui viennent ici. C'est le premier rendez-vous littéraire de l'année et moi ça me fait vachement plaisir d'être là parce que voilà, on découvre aussi des auteurs parce qu'on peut se balader dans les allées, regarder les livres et lire le résumé à l'arrière et puis voilà, repartir avec un livre. Tout à l'heure, j'étais avec Picouli et puis Alexandre Jardin. J'adore Alexandre Jardin. J'ai l'impression qu'on est en train de revenir finalement au livre. Et un jour ou l'autre, les gens vont délaisser les écrans et les tablettes tactiles pour se retourner vers le livre. C'est vrai que la tablette tactile, c'est sympa, c'est ludique. Mais pour rêver le papier, un livre, c'est quand même beaucoup plus fort. Les mots.